Bonsoir pour nous tous. Jeudi, c'est vendredi 12 mai 2023. C'est un plaisir pour nous capables d'entrer la caillou, pour nous capables d'informer dans le cadre du journal TAC 609. Information ça qui arrivait possible grâce à journalistes qui épapillent dans tout le coin pays d'Haïti pour capable porter toute information pour vous dans le journal ça. Information ça arrivait possible grâce à tout technicien TAC 509 pour présenter le journal ça. C'est moi-même, Luc Albert Beaubois. Insécurité a toujours a fait parler de lui sous territoire national là. Au moins, yon moun mouri dans Portail Léogane pendant journée jeudi 11 mai 2023 dans éclatement et coup de zame entre agents diverses unités police nationale d'Haïti ak mam gang 5 secondes yo qui était dans village de Dieu. Alice Nancy qui gagne 38 récords de café sous tête li ak Bettina Fleuranville qui gagne 28 ans yo même qui jeune arrestation yo en bas mais force l'audio dans service départemental police judiciaire SDPJ dans sud-est pays dans la nuit mercredi 10 mai 2023 dans Lamandou dans ville Jacmel. Ministre travaux publics transport communication ingénieur Rosemont Pradel dans cadre interview li accordé by journaliste réseau TAC 609 jeudi 11 mai 2023 dans local TPTC côté li confirmé festivité pour marquer 220e anniversaire bicolore haïtien a déroulé à Nessa dans ville au Cap côté ministre TPTC ingénieur Pradel fait connaître ministère l'a dirigé à travers direction départementale Latibonite centre ak nord pays déjà fait un tax force pour capable permettre activité yo capable dérouler comme ça doit. Guito Edouard, c'est directeur général d'INEPA qui c'est national de l'eau potable et assainissement dans cadre précision li partagé avec journaliste TAC Info Plus à travers réseau TAC 509 là, li fait connait problème insécurité et sécheresse qui frappe pays d'Haïti, la cause d'INEPA gen gros difficulté pour bailler client yo de l'eau comme ça doit pour capable servir Jean Yokon habitué faire. Réseau national groupe sanguin résuit sans négatif yo renaissant dans tête collée à programme national la sécurité transitionnelle à partenaire li yo lancé hier mercredi 4e édition grand collègue 100 pour l'année 2023 dans occasion fête maman yo cap organisé en baptême c'est dans femme la vie bourgeonne en baïa 100 pour la vie continue bourgeonne. Mouvement force politique c'est un institut sociopolitique qui lancé journée vendredi 12 mai 2023 yon pétition contre tout monde qui impliquait le trafic illégal d'armes et munitions dans le pays d'Haïti. Il y a plusieurs centaines d'habitants dans le quartier populaire Solino, même qui marchaient dans divers coins dans la localité ça, dans le cadre d'un marche pacifique qui est organisé jeudi vendredi 12 mai 2023 dans souci pour capable dénoncer phénomène insécurité généralisé ça cap valé terrain dans quatre coins pays d'Haïti. Dirigeant Union Nationale Normalien Haïtien yo présenté jeudi vendredi 12 mai 2023 bilan grève général professeur à l'école publique yo lancé depuis 4 semaines pour faire passer ensemble revendication yo c'est une grève qui réussit sous territoire national là selon coordonnateur général UNOA professeur Josué Merilien qui profite rappeler ensemble revendication professeur yo ak personnel éducatif yo a subi dans système éducatif là. Pour journée vendredi 12 mai 2023, gagne plusieurs dépôts qui prennent du feu dans marché la rivière bas qui dans commune Saint-Louis du Nord. Cependant, gagne yo la trier moun kap vive dans localité ça qui déjà et quitté zone là. Papil ak paquet à cause bandi sans foi ni loi a tiré coup de balle d'après ensemble information yo c'est un groupe gang qui voulait prendre contrôle territoire si là. J'en note annoncé un grand titio puisque nous connaît fait drapeau et paré pour capable river yon fête qui qu'on habitué fêter dans ville drapeau qui c'est Akaye mais cause de insécurité et bien gouvernement fait choix ville au Cap haïtien pour capable fêter fête drapeau dans ville au Cap dans date 18 mai 2023 cap vini là côté que ministre travaux publics transport à communication on a parlé de ingénieur Rosemont Pradel dans cadre interview li accordé par journaliste réseau TAC 509 jeudi 11 mai 2023 dans le local TPTC à côté li confirmé festivité pour marquer 220e anniversaire bicolore haïtien a déroulé à Nessa dans ville au Cap côté ministre TPTC ingénieur Pradel fait connaître ministre l'a dirigé à travers direction départementale Latibonite centre ak nord pays déjà fait un TAC force pour capable permettre activité fête drapeau réalisée dans ville Cap haïtienne. Ingénieur Rosemont Pradel, c'est ministre travaux publics, transport, communication, l'a dit plus dans micro journaliste TAC 509. Action, gagnant le délégué départemental
hier, Nabdil ouvertement, le senti que M. Tefon Gouo rencontre en la délégation pour au moins limiter tout le monde sur et sur sa cap fête, sa cap fête, yo, parce que faut que participation tout le monde là-dedans. Même j'aime se dire, ou bien doit pas aller dans le nord, ou bien aller dans le sud, ou bien aller dans le sud, mais cependant, vous sentez que si un événement comme ça a fait dans le nord, où t'as toujours un main venu et pour bien participer là-dedans. Je pense que dans ce sens, le délégué départemental, après, le bon compte ça qu'il a fait hier, tout le visage était là, le commissaire gouvernement était là, tout le directeur départemental était là, il y a un pilote activiste dans la société qui était là, nous, même nègre, qui sentit que c'est zélé dans l'opposition, qui était là dans le compte ça, parce que l'événement a fait comme ça, c'est tout le monde qui doit mettre dans la patte là, parce que l'air bien réussi, l'après ici pour tout le monde. Si le mal passé tout, bien l'a mal passé pour tout le monde, surtout le monde dans le nord. D'ailleurs, il y a un événement qui était fait déjà, je n'ai pas eu la désignée en blanc, nous voyons qui réellement qui était fait. Il y a un artiste, comédien qui était même fait connaître, si un monde, ou pas le vin en Haïti, ou même vin au Cap Haïtien. Pour quelle raison? C'est parce que, il était voulu tant coup, là, il dit là, ce sont d'ironie pour montrer que, au Cap là, ils vont être déjà différents de tout le reste pays, à tant coup, au Cap pas fait pays, pas si pays d'Haïti. Moi, je pense que dans l'événement qu'a préparé, comme le Copavril, c'est un événement, tout le monde lui prend à des bois. Côté l'opposition, côté Pou, côté Comte, côté Baptiste, côté Pancotis, côté Ougan, côté Voïloïse, tel qu'on sa classe là, de participer là-dedans, c'est geste politique ça, que nous, ouais, hier, eh bien, délégué départemental l'a défait, dans un côté le défait, si y a monde qui passait là, peut-être c'est parce que son bagage à la dernière minute, il n'y aura pas de temps touché d'invitation ça, même parce que son bel point de départ, et nous-mêmes regardons encore vers côté la mairie, hier, la mairie qui gagne en pile autorité en dans mairie, plus précisément ministère sport qui te gagne représentant dans nos conférences de presse pour dire exactement ce qui s'est fait en termes de préparation. Lorsqu'on parle de fête de drapeau, où est son gros événement, où est l'école va participer là-dedans. Malgré qu'il y a plus de gros, malgré qu'il y a plus de problèmes au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais qu'est-ce qu'on peut faire dès qu'il s'agit de la fête du bicolore noir, bleu et rouge? Vous avez parlé pour nous là, ou pas du ministère de l'Éducation là-dedans. Malgré les problèmes au niveau du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il y a un professeur qui a dû pas toucher, il y a des lycéens qui ont grève pendant quelques temps. Mais nous sentons que, dans un moment ça, nous-mêmes personnellement, nous pouvons nous en grâce. Nous mettons à genoux, dans pied nous, pas pour un événement ça, c'est pour son événement, pour nous prendre la légère. Pas pour un événement ça, c'est pour se laisser ça pour nous prendre le dit. Bon, nous parlons de ce bois calé, nous voyons ceci, nous passons là. Pas fait même travail, peuple l'a fait. Hein. Les pays, ils ont pris une savane, malgré que savane était bien préparé pour te recevoir le bœuf, et puis il a fait sale savane, et puis qu'on vient de regarder, l'elle pense que c'est savane, les sales, et puis c'est lui-même, même dire le sale encore. C'est ça une conseil monocap, de quelqu'un soit catégorie pour y'a, fait mes yeux. Fais mes yeux pour accueillir les gens qui pourraient venir parce que au Cap Nay seul qui est pour y aller, nous obligés inévitablement faire un coude à coude pour nous assurer que l'événement ça nous recevra avec deux bras ouverts pour nous assurer que les gens retournent à la caille pour dire ah, définitivement, pour ne pas au Cap. Je dis, hein, quelque chose, les gens qui ont hôtel ou pas qu'à dire que l'hôtel ou pas déjà surchargé. C'était comme dans le son événement qui prend fête en dedans comme une capacité pour la première fois, moi je pense que l'événement ça nous prend à cœur et nous fait que les tournées, yon réalité, même gens qui ont été faites ou qui ont été faites à CAE, pour au moins situer à ce projet du pays, ban opportunité ça, à nous embrasser. Ministre Travaux Publics, Transport, Communication, et l'autre côté, dit c'est une fierté pour le gouvernement là, pour partager fait drapeau à grand nord pays, qui c'est un gros événement qui a fait pour première fois, sans compter divers lots qui a gain pour fête, selon ingénieur Bradel, qui dit Cap Haïtien c'est un lieu touristique. En nous côté, ministre Travaux Publics, Transport, Communication, ingénieur Rosemont Bradel, et l'autre fois encore dans micro-journaliste TAC 509. Ce n'est pas seulement les Nordistes ou bien les Capois, même parce que c'est Haïtien, quelqu'un s'est retiré, qui a senti que ce n'est pas mauvais du tout le fait qu'on a fait choix de la commune du Cap Haïtien pour fêter ou du moins pour célébrer notre bicolore bleu et rouge. Je pense que je veux dire, les bons Capois ou bien Nordistes, en particulier, ça a reçu la nouvelle, ça, dans une conjoncture aussi difficile que le pays,
mon cher, Koville, Kopavel, faut qu'on sentit que, et go contentement, quand même, qui manifeste bon côté, ou même le, il y a moun qui doit avoir, qui doit avoir autrement, mais chaque coup, où j'ai l'opportunité, ça, c'est pour dire aïe bobo, parce que, événement ça, qui pourrait le fait dans nord pays, plus précisément, dans la commune Cap-Haïtien, dans l'occasion, fête drapeau, et ceci, comme tout le monde connaît déjà, fête drapeau qui côté est toujours célébré, c'est à Kaye, mais quand je tiens à faire que, au Cap, pour bénéficier des gros événements ça. Et, n'a pas dit sincèrement, au Cap, c'est déjà de ça qu'elle représentait, c'est déjà la commune, ou du moins, c'est la ville des événements, les pas la ville des événements, au Cap gardé, je vais vous dire, qui côté ou garder plus gros bateau cap débarquer dans pays à qui côté descendre en dans pays d'Haïti. Bon, ou ka faire référence à la Badi. Si on monde veut venir parler, on toujours tant de dire 8e merveille du monde, mais pas jamais dire qui est premier, ni qui est deuxième pour arriver dans 8e là, c'est Citadelle, c'est encore dans le nord. Là par exemple vous parlez du Palais Sans Souci jusqu'à présent, où est le nord. Là parlez du Bois Caïman. Ouais, c'est le nord, pour me citer, sinon, que ça, moi, parce qu'il a parlé des batailles de Vertières, c'est encore le nord. Ça veut dire que, on le dit souvent, la lumière vient du nord. Moi, parce que, là, par exemple, ou un événement comme ça, et puis, gouvernement, en place, là, fait choix de Cap-Haïtien, puis, on vient fêter événement ça, même si, ou bien, la panne dans le nord, même parce que, ou partager fierté avec moi, quand même, parce que, aussi, il n'y a pas, ou pas paquet d'amis dans le nord, première, c'est moi-même que lié, parce que les événements comme ça a passé dans le nord, même gens, c'est un gros événement qui est fait dans le pays, c'était dîner en blanc. Les dîners en blanc c'est fait, son bagage qui est inauguré dans le pays pour la première fois, mais c'est qui compte être fait dans le nord. Je pense qu'il y a un événement qui pourrait continuer à faire toujours, parce que Cap-Haïtien, tout le monde dit déjà, eh bien, c'est lieu touristique. Qui plus c'est, les touristiques côté qui étaient pour le monde, ou vini, ou pas capable de nadan, ou vini, même si vous venez avec les caméras ou vide, l'eau est tournée, ou après tourner avec les chargés, parce que vous avez un pile bagaille pour aller montrer l'autre monde qui partait là. C'est ça que c'est, nous recevons ça que vous faites là avec un pile d'enthousiasme, avec un pile de content, et m'a dit honnêtement, même là, ces dernières minutes de lancer, mouvement Sakita de lancer, il y a un mois avant même parce que, au Capinon, qui habite chez Konekize pour eux, recevoir mon akayo, notre travail, comme Jean-Jacques, pour nous assurer que nous recevons événement ça, dans le Cap-Haïtien. Nous pensons que, honnêtement, vous sentez que vous préparez ce qu'a fait déjà, dans la ville là, pour recevoir événement. Si vous êtes habitué, lors de son airport, pour passer bon littoral là, côté, quand tout caillou est écrasé, ou déjà, depuis avant hier là, matériel finouement, à travailler là-dedans. Ça veut dire que c'est plus gros bidonville, c'est plus gros côté qui peut recevoir plus de monde. Qu'à partir de zone, parce que majorité moun konya là, avec conjoncture, qu'à passer pays à konya là, c'est pas avion qui a passé. Depuis quelques temps, pays d'Haïti a connu un problème de l'eau dans le pays, et bien, c'est sous lancé ça, Guito Edouard, lui-même qui est directeur général, dit le pas qui c'est national là, de l'eau potable à assainissement, dans le cas de précision, lui partagé avec journaliste à Info Plus, à travers réseau TAC 609 là, lui fait qu'on ait un problème insécurité à sécheresse qui saute frappé payant la cause, dit le pas qu'il y a gros difficulté pour bailler client de l'eau, responsable institution, c'est là, ingénieur Edouard, a mandé pour autorité concernée agir pour augmenter budget d'INEPA et puis construire barrage pour permettre accès à l'eau potable sans aucune difficulté. En écouté précision, directeur général d'INEPA, ingénieur Guito Edouard, dans micro journaliste TAC 609. D'INEPA par exemple, parce que d'INEPA a une grande difficulté pour intervenir dans le site côté que réseau de l'eau, le captage de l'eau, ou bien forage nous yo qui prend l'eau en bataille pour nous envoyer dans le réservoir là et tout difficulté que opérateur nous yo gagne pour faire intervention dans gros groupe électrogène yo même pour alimenter et réservoir yo. C'est le cas par exemple de tabac, de pernier, de noix côté que après la Bible et avec dîner pas consenti de gros investissements et sous autorité l'État haïtien, eh bien, gros site ça yo, il y a une grande difficulté pour opérationnel. C'est ça qui fait que il y a des zones tant pour tabac, il y a des zones tant pour frère, il y a des zones tant pour Delma, il y a une grosse difficulté pour alimenter en eau. C'est ça qui fait que des fois nous obligés faire
ça n'est le dévoiement en série de conduites pour nous capables tout au moins garantir l'alimentation. Nous sommes passés une grosse période de sécheresse là, qui vient faire que il y a une pile zone dans Pétionville et il y a un gros problème d'alimentation. Mais il faut moi dire que si ça a passé dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, et il n'y a pas exempté dans les villes de province. Peut-être à un degré moins, mais ça n'a pas empêché de ne pas et abandonner la responsabilité. C'est ça qui fait que dans pile côté en d'un pays, le travail a marché. Le travail a marché, il y a un réseau fini. C'est le cas du réseau Cercle à la Source dans le département centre. Il y a un réseau presque fini. C'est le cas de la vallée de Jacmel. Et je salue mairesse la vallée de Jacmel, là, Mme Philippe Oscut, qui a avoué que le travail que je n'ai pas fait dans la ville ici, qui est la vallée de Jacmel, c'est le plus gros travail qu'a fait dans le département. Donc, ça allait directement dans le cœur de nous, mais nous pas trop satisfaits parce qu'il y a d'autres travail qui doivent finir. C'est le cas de Bon Salut. Centre-ville au Cap, en grand chantier, Kounia Potobram là, eh bien, je vous dis que c'est 11 mai, c'est route map prend là pour mal dans sud, pour mal voir comment travail pour salut a fait, pour moi avec Bourad Banque Mondiale, pour moi comment travail en Savoie a fait dans le département Nip avec Bourad Coopération Suisse, Chardonnière, où est lancé incessamment. En clair, dit n'est pas malgré difficulté toujours en chantier. Période chez stress là affecte nous en pile et ça fait que gain pile sous ou bien débit au diminué ou bien sous presque tari et c'est le cas de en pile sous au niveau du département et de la Grandasse. C'est le cas aussi de sous Abet dans commune Chansol qui alimentait réseau Port de Péa à une distance de 18 km. Donc sous Abet débit diminue en pile. C'est ça qui fait que nous devons pour faire une grosse station de filtration pour éviter les gains, la pluie, pour de l'eau subite. Eh bien, nous obligés à attendre comment la situation a évolué. Parce que l'eau est sous cela, doit produire de l'eau, mais faut faire ça une veille hydraulique sous cela pour voir comment ça a évolué. Gain une autre façon que la situation pays a affecté nous tous, faut que nous disions. C'est pas question carburant, c'est pas question de difficulté pour cadre nous déplacer en toute tranquillité. C'est pas seulement question fimio qui de temps en temps a demandé pour yo résilier contrat yo. Nous gagnons deux contrats là, trois contrats là, l'ASCAOBAS résilié. N'a pas négocié avec Banque Mondiale et pour nous finaliser et un nouveau contrat avec une autre firme. Bon, Banque mondiale mandé des exigences en matière de sauvegarde environnementale et sociale qui vient faire que promesse que m'était fait mon Lascarobasio, li vinn pa kembe, me demandé au bureau 2 semaines. Mais là encore, Banque mondiale à travers département sauvegarde environnementale qui était capable de sorte de police de la police en matière de passation de marché, mettait un frein parce que il dit faut aspect sauvegarde environnementale là adressé. Et l'autre problème que nous gagnons, et pour me citer l'autre encore, c'est difficulté pour achat matériel hydraulique qui est fait en temps normal et puis pour arriver en Haïti. Vous arrivez en Haïti, vous bloquez dans la douane. Non, ce n'est pas mauvaise foi, directeur général des douanes, M. Jules Saint-Édouard, mais c'est le contexte actuel là. Qui vient faire que faut demande de franchise la sortie dans le débat, sortie dans le débat dans le travail public, ça prend un temps, parce que des fois, il y a n'importe problème, carburant, etc., qui fait que le bureau ne peut pas fonctionner normalement, personnel qui doit faire travail là, n'est pas nécessairement disponible, c'est le cas de la DINEPA aussi, et puis pour le ministère économie et de finances. Pour le ministère économie et de finances, bon mémorandum. Bon mémorandum, là, ça prend un temps, des fois, et à travers direction, inspection fiscale, il y a demandé des explications pour qui ça si, pour qui ça ça. Et puis, on virgule qu'on doit faire dossier après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qui donc, par ailleurs, même à bord question. Population, on dit, il y a besoin de l'eau. Donc, situation vraiment compliquée, mais c'est ça qui fait que nous obligeons, moi-même, en tant que directeur général, mettre pied à terre
Si je ne mets pas matin, je ne pas de résultat que j'ai besoin dans le temps voulu. C'est ça qui fait que faut que nous simplifions et travaillons. Et moi, saluer tout acteur, de près ou de loin, compréhension bailleur, que le BID, que la coopération espagnole, que la coopération suisse, que la Banque mondiale, qui ont nécessité, malgré toutes difficultés que nous avons, faut contrat exécuté. Et me saluer dynamisme, film haïtien. Actuellement, là, c'est seul film haïtien qui a travaillé pour dîner pas. Tout film étranger, tout qui est pays. Heureusement, ça fait partie de la stratégie que nous avons mis en place depuis 2017 pour nous faire plus film local, plus film haïtien, intégrer le secteur. Eh bien, c'est 3 ans de négociation là pour nous avoir joué. Parce que si nous n'avons pas fait plus film haïtien, national, départemental, régional, entrer en dans le secteur, eh bien, résultat que dîner pas à jeune jeudi à la, nous pas d'abjeune. Sous ça qui gagne ouais avec question et santé dans le pays d'Haïti, réseau national, la groupe sanguin, résus négatif, yon en accent, dans tête collée à programme national sécurité transitionnelle à Patnelio, lancé à hier mercredi, 4e édition, grand collecte 100 pour année 2023, dans occasion fête maman yo, cap organisé en baptême, c'est dans femme, la vie bourgeonnais, en bail 100 pour la vie continue bourgeonnais, dans ce sa, coordonnatrice générale, yon Nancy Lene fait qu'on est date 27 mai cap vini la pral genyon don collecte nan ville Wanamet for liberté département nord-est ak nan local Sedec ki nan Delma 83 département l'ouest pays nan souci pour capable collecter plus sang pour nécessité patient yo. Coordonnatrice générale Renaxan Nancy Lene a dit plus nan micro journaliste ak 509. On tradition pour nous chaque année avec la presse pour nous rencontrer dans même date ça côté que nous toujours lancé un mois de sensibilisation de promotion et de collecte et en faveur particulièrement des femmes dans l'occasion en fait maman et c'est un collecte que nous démarré depuis 2019 et jusqu'à présent qui a donné nous de très bons résultats et chaque année nous gagnons un ensemble d'organisations et d'institutions qui accompagne nous dans le cadre de réalisation et collecte ça. Et son seule année, nous pas privé réaliser collecte, c'était en 2020 et pendant la période de coronavirus. Et pour année ça, nous gagnons diverses organisations avec institutions qui accompagnent nous encore une fois. Parmi eux, Conseil national, Société civile haïtienne, SOFEJ, SEDEC, Justice et Solidarité, Police communautaire qui est toujours avec nous chaque année, SINAPOA et Syndicat la police qui rejoignent nous, ANESA, FEDOFED qui rejoignent nous, REF Haïti et CFOZEF qui avec nous, côté que nous déjà avons une collaboration, Défenseur Plus et puis École Eclan Jeune Connel, le partenariat et nous gagnons technique avec MSPP à travers le Programme national sécurité transfusionnelle qui toujours et permettre que nous fait activité de collecte de sang ça. Et pour qui ça et nous avons plus gros activité sous l'année qui particulièrement est pour mesdames yo. Et Jean nous connaît et une cause qui fait femme mourir plus c'est question hémorragie surtout les pas coucher et nous même par rapport avec ça et haïtien gagné particularité que nous gagné pour fête des mères côté que nous baili on grande importance et c'est pour ça nous te dit en nous fait et de date ça un événement utile côté que n'a collecté sang et pour mesdames yo mais année ça nous voulait et fait collecte là en hommage avec confrère nous journaliste Antimos et qui décédé l'année dernière et qui c'est ton donneur parce que il baï sans plusieurs fois dans activité que Renax a fait c'est dans ce sens ça nous consacrer moi à hommage à lui-même et en même temps pour nous faire promotion pour notre sang et pour mesdames yo. Alors l'en collecter sang pendant la période ça, quel que soit monde qui dans le besoin, a capable joindre dans ce sens ça, mais c'est surtout pour nous attirer attention population en général sous nécessité non seulement pour baï sang mais tout sous catégorie de monde ça aux femmes yo qui connent besoin sang et qui mourit en pile froid pendant y a baï la vie et thème nous kembé et nous quitter continuellement qui c'est dans femme la vie bourgeonner en baï sang pour la vie et continuer bourgeonner alors particularité qui gagne année à dans grande collecte là c'est que nous commencer délocaliser et n'a gagné le 27 en même temps n'a bien le Port-au-Prince ici à
et puis mais n'a bien les Léogane, n'a bien les Wanamet, n'a bien les Fort Liberté, n'a bien les au Cap et éventuellement bien de l'autre pour parler qui en cours pour bien de l'autre côté. Mais nous connaît ou pas qu'à faire collecte sans MSPP, PNST et puis pour l'aspect sécurité ANEA nous gagne police communautaire, nous gagne Sinapoa qui est avec nous. ANEA nous font collecte de sang avec yo qui bail vraiment de très bons résultats. Nous font collecte pour anniversaire, vous pouvez nous faire 44 pochettes de sang et il y a d'autres monde qui pas bien arrivé bail manque de temps. Donc son collaboration qui est très bon et pour nous capable collecter de pochettes de sang. Sur ça qui est pour avec question insécurité dans le pays d'Haïti, eh bien, la police dans le département Nord-Est, lui-même qui fait un coup de filet, ensemble avec et force radio dans Léogane, côté que Alice Nancy qui gagne 38 récoltes de café sous tête li avec Bettina Fleuranville, 28 ans, lui-même qui joue un code pitio en bas, mais force radio dans le service départemental, la police judiciaire SDPJ, dans le sud-est pays, dans la nuit, mercredi 10 mai 2023. Dans la Mandou, dans la ville Jacmel. D'après première information, la police te baille, yote rele Bettina Fleuranville, li même qui se yon concubine, leader gang krasé barrière, n'a parlé de vie de l'homme innocent qui a fonctionné dans la commune Pétionville. SDPJ, li même dans la ville Jacmel, li même qui déjà attendait Madame Sayo pendant journée jeudi 11 mai 2023, d'après source policière. Au moins, yon moun mouri nan Portail Léogane pendant journée jeudi 11 mai 2023 nan éclatement coup de zame entre agents divers unités nan police nationale d'Haïti ak mam gang 5 secondes qui gen nan tête li Izo qui rete nan village de Dieu. Victime nan ke yo reconnaît sous nom Jeff, c'est yon ti machan électronique qui te dirige ti business li nan Portail Léogane qui pas trop loin ak entre cimetière Port-au-Prince la. Jeff qui jeune la molle en bas yon bal qui perdit frein pendant yon échange coup d'âme entre instance entre civil armé ak officier la police qui t'a essayé avancer dans direction théâtre national là. D'après sous stack 609 qui fait qu'on est jusqu'à 3h nan matin, en pile coup d'âme te continue à chanter dans un théâtre national là pour Koulia qui toujours en bas contrôle la force sécurité yo qui était avancé dans voisinage sous commissariat qui abandonné depuis quelque temps. Information après poursuivre sous réseau TAC 509 là, gagné coordonnateur assistance en droit citoyen pour intégration jeune professionnel yo n'a parlé de Serge Augustin qui félicité responsable yo dans bureau immigration Miragwana ak Pakea li di ki joine yon formule pour permettre moun yo rive fait passeport sans aucune difficulté. Défenseur droit moun nan di li souhaite principe ça continuer nan bureau nan souci pour tout moun capable joine service sans force côté. En côté Serge Augustin li même qui se coordonnateur assistance droit citoyen pour intégration jeune professionnel yo li te nan micro correspondant nous Henri Claude Claire Saint depuis ville Miragwan. C'est frappé, son n'est pas d'eau tout ni c'est pour un carnaval ou rentrer, donc pas de bagay ça. Ak discipline que commissaire gouvernement mette, de concert avec responsable bureau immigration, donc nous ouais directeur là lui même lui parfaitement collaboré, donc nous senti qu'elle joigne un bon collaborateur parce que là t'as un petit problème entre autorités, c'est ça qui permet que population t'a souffri. Donc nous bien content que jodi an commissaire gouvernement chita avec directeur immigration et de l'autre autorité dans le département qui concerné pour bay population en service que nous espérons que bagaille la continuer comme ça pour population continuer joindre. Nous sommes à peine rentrés avec une dame enceinte là, côté de la directeur là. Nous avons parlé ensemble avec eux, nous avons commissaire Miskaden. Et nous avons dit que si VIP kounia, nous dit clair que c'est femme enceinte, c'est mon handicapé, c'est mon petit, c'est mon qui VIP. Je dis en bagaille n'a pas fait dans la partisanerie encore. Donc bagaille régularisé, mais sauf que nous avons bagaille arrêté comme ça. Moi, je suis ça m'a reproché directeur immigration. Moi-même, en qualité de défenseur des droits de l'homme, organisation qui légalement reconnue par toutes les institutions qui sont compétentes pour ça. Donc, directeur bon problème en personne qui aime même faire pénétration dans le bureau. Et les m'a rentré, m'a pas faire passeport. M'a gen moun qui m'a faire passeport pour yo. M'a juste regardé est-ce qu'effectivement vraie population a vu un service. Même toujours ça dérange directeur. Les pour rentrer dans le bureau. M'a qu'on a qui objectif, à qui fait. Parce que moi-même, l'essentiel, m'a pas j'en parle dans le bureau immigration sans c'est pas un monde qui victime pour mettre une requête. Pour me voir par le commissaire gouvernement, pour me dire
pour me voir directeur immigration pour me dire que assister moun ça. Toute recommandation qu'il me fait, requête qu'il m'écrit, c'est des moun soit moun ça sont handicapés, soit son femme enceinte, soit son petit moun qui malade, qui a un problème quelconque, c'est à celle fait ça qu'on adresse une requête à directeur immigration. Mais moi ça toujours dérangé. Depuis l'OM, il y a un problème, je ne sais pas qui problème il y a. Donc, je souhaite que le problème ça, directeur a résolu, que moi-même, c'est aider ma pédale. Il y a des gens qui sont victimes, il y a des gens qui sont malades, qui sont en difficulté. Moi-même, je choisis, prends les gens, c'est des gens qui doivent violer, ramasser de l'éance pour te battre directeur. Donc, le directeur a senti qu'il y a des difficultés pour le recevoir de l'éance, je ne sais pas qui objectif. Sauf que je souhaite que le directeur a collaboré ensemble avec moi. L'aime dit collaborer dans quel sens? L'aime prend doléances, femmes enceintes, les gens qui sont victimes, les gens qui sont handicapés pour te bali, nous souhaitons qu'elle prenne ça en charge. Deux jours ça yo, pour le bureau. Donc, ma petite population fait 95%. Population fait 95%. Ça, quand je dis 95%, c'est parce que hier soir, il était en temps trop tard, il y a deux trois personnes qui n'ont pas de temps passé. Donc, sinon, je dis 100%. Parce que bilan nous, zéro, tout le monde a joué là, c'est comme il a acheté frites, il a mangé, et même machin qui a vendu, il a fait bon la vente parce que comme ça, il a une possibilité pour y arracher. Tout le reste joué bien passé, et je souhaite tout, si le commissaire Miscadé n'est pas à présent, parce qu'il a des autres activités là fait, et lui-même, lycée chef de la poursuite en matière pénale, là, toujours des autres activités, elle pas calagé parquet. Nous souhaitons que le bureau ait le même code de discipline pour la population de service. Responsable de groupe Capapier, rapatrié et réfugié Yogara, annoncé qu'il pourrait mettre en campé un comité surveillance frontalière volontaire qui pourrait déployer sous l'île frontalière haïtienne-dominicaine pour permettre et responsable Gayo gagner un bon genre d'information sous façon autorité dominicaine à rapatrier haïtien yo d'après responsable. Responsable communication plaidoyer Gala Sam Guillaume qui fait qu'on est c'est environ 130 volontaires qui mobilisés pour déployer sous environ 100 points liés frontaliers haïtiano-dominicaine. Sam Guillaume c'est responsable communication plaidoyer Gala l'a dit plus dans micro journaliste TAC 509. Gala c'est une institution droit monde qui vient plus passer 30 ans depuis la bataille pour faire droit migrants haïtiens respectés. Et en particulier, droit migrants haïtiens qui établissent pour eux sur le territoire dominicain. La République dominicaine, c'est côté où plus passé droit migrants en embarqué, ils ont maltraité, ils ont battu, ils ont tué, ils ont violé mesdames, et puis confisqué bien avec l'argent malheureux. Fait qu'ils ont passé toute la vie à travailler dans de mauvaises conditions. Pour nous capables de fournir, j'ai gardé le modèle de traitement des migrants, sitôt aussi là, ils ont rapatrié. Et puis, river dénoncer, nous avons toujours des agents frontaliers dans le point officiel et quelques points non officiels. Mais depuis novembre année passée, après le président dominicain a fait publier le décret 668-22, il a fait la coucou rouge des immigrants haïtiens et puis il fait toute qualité malfaisante sur eux, en pile là-dedans, comme ce qu'il est sur les réseaux sociaux. Quantité de rapatriement est devenue doublée, ça qui rend travail la vie pile pour nous. Et là nous connaissons, c'est 100 pays à voyager à ici retourner. Là nous connaissons, c'est à toutes les fait rapatriement. Là nous connaissons, ils utilisent un paquet de points non officiels qui va être présent sur l'autorité de l'État haïtien sur eux pour faire rapatriement. Dans ce sens, la garde a décidé de renforcer l'équipe qui est sous frontière. C'est comme ça, ils mettaient sous pied un nouveau restrictif sur frontière qui porte non. Comité surveillance frontalière volontaire, KSFV. KSFV mettait sous pied dans l'objectif pour arriver à un plus bon contrôle et puis connaître tout ce qui a passé dans la zone frontière. Et les chitacol sur toutes les frontières net avec un effectif de 130 volontaires qui a fait aller venir sur plus passer une centaine de points frontaliers. Pour nous arriver à mettre campé aucune chaîne extraite ça sous pied. Nous avons fait appel à tout le monde qui croit dans la cause des migrants et puis décidé de porter tête comme volontaire pour intégrer le comité SILA. C'est comme ça, depuis le mois d'août 2022, nous avons commencé la formation pour le groupe volontaire qui est retenu. Yves Merlin, c'est officier projet gaz sous Bopal, lui-même lui fait connaître esthéti ça, mettait sous pied pour permettre 64 membres comité frontalier yo capable de travailler sous frontalier haïtiano dominicaine pendant yo féliciter responsable gayo pour initiative c'est là plus détail à officier projet gaz là Yves Merlin toujours dans micro journaliste TAC 509. Comité surveillance frontalière volontaire
pas de durée déterminée. Moun qui la donne, c'est volontaire. Tout autant gars existait, il y a toujours là. Qui donc est-ce ça là, Jouk Maïmi? Pour nous former comité si là, nous déjouons appui à JWS, USA comme partenaire financier. Aksi pa, moun ki nan komite fota liye yo. E sitou, otorite lokal zon sa yo. Nan kat yo patenaryat ga gen avèk OIM, gen environ 64 pami volontè sa yo, ki ap travay stab sou 30 poin pi frekante nan peyi ya. Setadi, 26 poin non ofisyel, à 4 points officiels. Il y a un peu de travail qui doit faire toujours pour arriver à changer les conditions de la vie migrants haïtiens. C'est tout ça qui est en République dominicaine. Mais arriver à mettre un estripti comme ça, camper, c'est un gros pas pour gars. C'est-à-dire, le comité ça, il va représenter genoux, oreilles nous, mains nous, et il va permettre nous toujours être connectés avec frontières pour nous garder plus de contrôle sur l'activité qui a déroulé sous frontières. Et puis, sous ça qui gagne ouais avec question dossier environnement. Dans une interview journaliste Access 69 réalisé par téléphone jeudi 11 mai 2023 avec magistrat communal Folie-Liberté Louis Jacques Junior Etienne avec directeur général collectivité territoriale de Malais Etienne yo même qui pote explication sous participation yo ensemble avec plusieurs autres magistrats avec représentant plusieurs autres institutions dans une mission échange et partage expérience sous thème gestion déchets intercommunalité bon gouvernance et coopération décentralisée dans Guadeloupe qui c'est territoire français d'outre-mer qui a duré une semaine. Magistrat communal Folie-Liberté Louis Jacques Junior Etienne pour tes explications sous participation dans la mission Sila avec façon loin et pays Guadeloupe géré Fatra Lakayo yo parlé travail a fait pour poser base yon convention coopération qui permet yo mettre en valeur yon programme gestion déchets intercommunalité entre commune Folie-Liberté Wanamet ak Ferrier mission Sila qui qualifié avantage qui qualifié avantageuse pour département nord ak nord-est. En nous coûter plus détail à correspondant nous dans département nord-est Chino Wosini. Dans une interview accordé TAC 509 par téléphone journée jeudi 11 mai 2023, magistrat communal Folie-Liberté Louis Jacques Junior Etienne ak directeur général collectivité territoriale yo nan pays d'Haïti Malou Etienne yo pote explication sur participation yo ensemble avec plusieurs autres magistrats ak représentant plusieurs autres institutions dans une mission échange ak partage expérience sous thème gestion déchets intercommunalité bonne gouvernance à coopération décentralisée dans Guadeloupe qui c'est territoire français d'outre-mer cap diré une semaine magistrat communal Folie-Liberté Louis Jacques Junior Etienne pour tes explications sur participation dans mission si là ak façon liwe Guadeloupe en géré Fatra Lakayli forum ça cap fait là en thématique qui parle sur la gestion de déchets et des traitements de déchets solides moi c'est un plaisir nous même la caille nous gagne déchets yo c'est juste la jeté yo des déchets ou pas utiliser payer rien mais à Guadeloupe ce n'est pas différent, c'est des bagages différents. Nous avons une formation pour regarder côté ils nous placer comment ils Fatra transformer en gaz, comment transformer en moyen de électricité, en moyen de toutes sortes de développement qui est à Guadeloupe. C'est déchets n'a pas jeté là caoutchouc nous prend yo n'a brûlé dans la rue là caoutchouc ça vend pas douzaine dans la compagnie et sac déchets gagne ouvre une formation civique que nous bagnons la caille nous avec mon autre déchet là et nous qui des déchets pour traiter avec une compagnie qui acheter là mais des déchets pas acheter là c'est acheter transformer toujours dans micro tax 509 en directeur général collectivité territoriale yo Malou Etienne bon côté parle fait un rappel soumission si là ensemble avec visite délégation déjà fait depuis l'arrivée Guadeloupe li parler des travail à faire pour poser base une convention de coopération qui permettre yo mettre en valeur un programme gestion Fatra intercommunalité entre communes Folie-Liberté, commune Wanamet à commune Fegué pendant qualifier mission si la avantageuse pour département nord et nord-est. Pour nous Guadeloupe, dans le cadre de mission exploratoire, en mission d'études en cours de recherche sur les thématiques telles que gestion des déchets, la base de l'intercommunalité, dans le cadre de recherche sur thématiques et la bonne gouvernance, la coopération décentralisée. Et que nous, entre lundi et Guadeloupe, nous avons été bien reçus. Hier, nous faisons un paquet de temps dans SIPAD, particulièrement au niveau
deux sites de chair qui normalement sont à faire de 36 hectares et nous visitons particulièrement ce plan. Nous avons espace, on va dire espace, une zone de réhabilitation, zone qui habite et zone d'exploitation. Nous pensons que c'est une mission qui est vraiment avantageuse, une mission qui est vraiment, vraiment enrichissante dans la mesure où nous avons travaillé pour nous à poser base de convention de coopération et sur base d'intervention qui permet que nous parlons de coopération décentralisée, nous avons d'abord les maires. Ça permet que nous descendons, nous avons une convention de coopération qui permet de mettre en valeur un programme de gestion des déchets selon les règles non dynamique d'intercommunalité avec Wanamet, Ferrier et Paul Liberté, et que nous espérons que le Nord-Est est capable de capitaliser sur la mission. Ça. Voilà pourquoi que je qualifie cette mission déjà d'avantageuse. Mm-hmm. C'est une mission qui a pour avantage dans le Nord-Est. Depuis commune Paul Liberté, département Nord-Est, pays d'Haïti, Chenon Rosny pour TAC 509. Passeport avec carte d'identification nationale, mais nous toujours joignons selon moun qui cherchait service à travers micro-journaliste TAC 509. Il y a toujours une difficulté, il n'est pas facile du tout pour être capable d'entrer dans le cadre du programme Delidoc là pour être capable d'appliquer et sous réseau ça en ligne pour être capable de jouer une facilité pour aller faire passeport ou bien une carte d'identification nationale. Ça permet de coûter quelques citoyens eux-mêmes qui dans ligne qui te gen gros difficulté pour capable arriver réaliser passeport ou bien carte identification nationale lui-même qui était dans capitale haïtienne. On écoute un micro journaliste à 509 qui était sur place. Moi-même prends rendez-vous là le 10. Le 10 rendez-vous là, m'vinn là depuis à 6h. Moi si rentrer bon 4h combien, là moi rentrer au dim par signal. Et là tu m'as signal attend tout. Yo vini à 8h26 hier. Yo prend 20 moun. Après ça, on fait toute journée, on va jamais mon Europe. Et pendant qu'on va faire mon je fais journée à travail. Journée à travail, c'est mon monde qui a pas fait sortir, entrer, sortir, je prends son boulot, faire aller. Et puis chaque jour, l'on va là avec mon café, mon entrée, il y a du monde, c'est mon lambert. Là, il y a un bureau lambert pour ses corps. Là, il y a une organisation. Là, il y a un bureau lambert pour ses corps. Que retirer le bureau ça, dans des lignes, mon a pris rendez-vous de l'autre côté. Là, il y a un bureau d'État. Là, c'est vous. Ok. Est-ce que dans la minute, tu as parlé à là ou tu as rendez-vous qui a jour côté Wapsoufou pour qu'on rentre? Je suis hier, je suis là, de 6h du matin jusqu'à 4h malade, mais je t'aime retourner encore. Je dis comme ça que je ne vais pas dire rien. Et septièmement, c'est de nous quatre qui étaient là. Je ne sais pas quoi, je fais ok, moi-même retire moi-même. Nous deux retirons. Deux rentrés, deux, nous deux retirons. Et Dieu m'a dit là, ok. Faut préciser pour vous, depuis mon nom date la passée, sur l'autre rendez-vous pour le prendre. Pour être capable de revalider. Il y a un CSR. Rendez-vous disponible juste dans fin mois de juillet. Ok. Ça veut dire que papier qui est dans mon là, la licence est périmée pas rentrer. Et puis, quand il y a soit pour le rendez-vous, soit pour le rendez-vous juste en juillet. Mais on vient là. Non, rendez-vous, on vient là. Yo, pas bon. Yo, pas bon. Ça veut dire que c'est un processus qui a fait tout comme. Pourquoi vous faites comme tout? Bamboy, je comme là. Moi, je connais vous. Connais-vous comme? Yes, nous quatre, je vois nous tourner là aussi par les signes. Nous quatre, matin, que nous deux la traiter, que Dieu fait entrer. Ok, font précision pour internet au Cap Gado là ou Cap Tando là. Du coup, vous précisez qui boyer et comment ça a fait. Nous, non, bureau, Lambert, qui met un DGU, qui a mis tout ça là. Et va bien, nous assumons bureau Lambert. Parce que tout le monde qui passe là, il nous a rentré, il nous a dit, nous sommes Lambert à la rentrée. Je vais vous dire,
Ok. Pour là, ça sont les citoyens qui a placé deux mots. Faut-il parler avec nous? Dis-nous. Ça veut dire que vous risquez de perdre un rendez-vous sur la tête. Et côté que yo vinn recevoir doléances de Lidoc, eh bien divers citoyens a plaigné côté que yo vinn faire passeport yo pas ca joindre, on dit que yo vinn prendre rendez-vous disons yo pas ca joindre. Gen un jeune garçon tout à l'heure qui a parlé avec nous en fricot, faut tu parler avec nous depuis qu'il a prend rendez-vous et comment situation est. Voilà, et nous capables de comprendre. Voilà, ça, son citoyen qui a rendez-vous jeudi. Ça veut dire que vous obligez de passer jeudi parce que vous risquez pas passer l'autre jour. Jusqu'à ce qu'on fasse passeport pour nous. Pour le gouvernement, vous voyez la compagnie là. Pour nous dormir là pour passer passeport. Ouais, nous sommes sortis là ce passeport. Depuis 6 avril, je vais mon rendez-vous. Je suis là. Et je dis, 6 là, je dis, c'est le. Je suis là, dans les 10. Parce que je ne vais pas travailler, je dis. Je dis, c'est mon live pour me faire. Depuis, je prends rendez-vous depuis 8h ou 10h même là. Josia. Oui. Ça veut dire que depuis 8h ou 10h. Et c'est là. Ok, est-ce que ça arrive ou pour passer? Est-ce que yon mando yon bagay pour ka passer? Ça veut dire que Lidoc la pas résoudre problème raquette. Non. Ça veut dire que si on a pris rendez-vous en ligne, Nous sommes là, 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 nous sommes là,
On va comme qui somme yo bail pour yo comme pas comme yo bail mais comme yo bail donc ça avait c'est parce que pas bail comme qui passe là c'est pas comme ça on va pas rien de vous c'est pas comme ça mon premier bail mais tout mais bon mais sinon pas mais ça fait quoi bon tout comment faire pour le café corruption bien yo bon bureau devant yo recevoir moun n'a demandé yo dit pas dans bureau yo dit pas dans bureau yo rené tout moun yo dit on prend tout moun pour y aller yo qui devait bureau juste devant yo vient voir ici là et voir ici à travers la fête. Vous voyez, il y a trois barrières. Des barrières là, l'autre barrière là, qui vont rentrer là. Ils ont fait un barreau après de rentrer là. L'autre monde qui prend des outils, ils ont chuté la tombe. Ils ont lâché une chaise encore. Ils ont fait une journée de travail. Avec tout qui doit passer une journée en chita devant. Ils ont passé une journée, non. Ils ont fait une journée là. Ils ont travaillé, ils ont passé. Ils ont fait deux semaines, ils ont monté des salons. Ils ont fait une journée là. Ils ont travaillé, ils ont passé. Ils ont fait une journée là. Et puis demain, ils ont fait une journée. Et puis ils ont fait une on savait si l'aura tes rendez-vous aujourd'hui. Il y a tout le monde. Ta font coup de pied dans le département nord-ouest pays d'Haïti, côté que plusieurs dépôts prend du feu dans le marché la rivière Bas qui est dans la commune Saint-Louis du Nord. Cependant, il y a la trier moun qui vivent dans la communauté qui quitte la zone pas bonne ak paquet en bas plusieurs rafales coup de balle bandit a tiré. D'après information yo, c'est un groupe gang qui voulait prendre contrôle le territoire pour faire échec à un tel incident. Population a demandé participation agent police nationale d'Haïti yo dans département nord-ouest là. On écoute Jebson Petit depuis commune Saint-Louis du Nord, lui-même qui a présenté nous un reportage sous incident cela. Yon groupe individu que personne moun pa privé identifié mette di fe nan marché public rivière des Bas commune Saint-Louis du Nord. Population an ki rive jwenn divers dépôts avec ti kay ke machin yo kon louvri marchandise yo boule rapiété. Information kap sikile soti nan mitan majorité silencieuse nan ta fè kwè c'est un groupe bandi ki ta gagné intention pour capable contrôler territoire et prend en otage marché public rivière des Bas nan objectif pour capable piller population an. En pile moun ki habite nan zone des granges avec grand la cou, tapete koui kite la kayo pour al bout nan yon zone avoisinante pour al passer nuit yo après gros bruit katouche ki tap chante takou resignol nan toute ville la et spécialement nan zone rivière des Bas. D'après information que nous rejoignons, ta gen yon voice kap sikile sou réseaux sociaux ki ta fè kwè c'est ta yon groupe bandi ki ap cherche moyen pour capable retourner faire base yo nan localité Jean-Claire, yon localité nan Saint-Louis du Nord. N'ap rappelé ça pas gain longtemps depuis un groupe gang ta fait des faits dans zone ça côté yo té rivé tiyer plusieurs monde piller plusieurs cailles pour faire échec avec un tel problème yo mandé pour force l'audio capable mettre action publique en mouvement contre bandi silayo département nord-ouest commune Saint-Louis du Nord Jebson Petit TAC 609. Merci Jebson Petit. Toujours dans le département nord-ouest, n'a quitté commune Saint-Louis du Nord pour ne capable rentrer dans ville Port de Paix côté un jeune garçon, personne moun pas arrivé révéler identité sous champ aviation ville Port de Paix à de l'autre zone qui entoure elle. Et bien peuple localité ça arrivé mettez main sous lit, craser à coup de bâton, coup de roche et la trier passer le mouvement justice populaire peuple haïtien qui baptisé Boakale. Jebson Petit t'es sous place. L'abdi nous plus. Bien bonnet, matin 11 mai 2023, ça, yon jeune garçon que personne moun pas arrivé relevé identité, population an nan zone champ d'aviation ville Port de Paix, ak de l'autre zone en voisinante, rivé mette men sou li, et puis lapide,
côté yo passé en bas mouvement justice populaire peuple haïtien qui baptisé Bois Calé. Jeune garçon ça d'après information yo qui t'a gagné environ 30 l'année sous au bois tête li perdit la ville. Selon information yo nan mitan population an, individu ça li joine la mort après il t'a fin pillé yon business nan ville Port-de-Paix zone des Tipot-Paix. Côté l'hypoté aller tout ça business là t'a possédé tant coup panneau soleil batterie télévision téléphone dans la nuit mercredi 10 mai 2023 toujours selon population yo t'a fait connait présumé volo ça li t'a konn habitué braquer zam nan mitan quelques quartiers populaires dans ville Port-de-Paix avec divers quartiers résidentiels, ça qui t'a pour soulever colère divers individus qui passent jeunes garçons ça à l'infinitif. Faut que nous dit dans jour qui saute passé yo soit mardi 10 mai 2023 ça Dieu net ainsi connu yon jeune garçon qui sont présumés chef gang t'a tombé en babal la police dans cité Kapwa la Mwa. Depuis la ville de Port-de-Paix, métropole du Nord-Ouest, cité de Kapwa la Mwa, Jebson Petit, TAK 509. Pour nous entrer dans le département Latibonite, côté habitant Cap Vive dans le département ça, puis particulièrement dans quelques localités à travers quelques communes, bandi absimé la terre, ça qui la cause en pile dans le monde, ça yo perdu espérance en vie yo presque chaque jour, Cap passé qui donc bandi base grand griffe dans ça vient yo, vin pi puissant, yon situation qui la cause, la vie habitant yo a vin pi compliqué, pendant que la vie a vin pi cher, selon constat yo tout, département Latibonite, Tibonite gen 3 blende police nationale d'Haïti qui pas suffi pour ta faire face à terroristes criminels ça vient yo k'ap fait 100 population couler chaque jour nan département si la. Désir Venesse depuis Tirivière la Tibonite cité Crête à Pierrot a dit le plus. Problème insécurité, infrastructure routière, courant, de l'eau potable ak injustice totale, c'est ensemble ça yo ki kembe actualité a depuis un bon bout de temps dans toute région ba la Tibonite la. Habitants qui vivent dans la vallée la Tibonite, plus tendé son âme la guerre, n'en place à chanter combien de paysans yo, te kon utilisé chaque fois yo pral travail pour récolter nan plein nan. Li genyen plus passé des semaines depuis base gangrif savien, séparé département la Tibonite là, en haut pas monté, en bas pas descend. Si la yo qui prend chance traverser quand même pour aller régler activité que yo te gagné dans ville Saint-Marc bloqué depuis plus que 2 semaines, yo pas ka retourner la caillou. Chaque fois yo prend chance pour traverser Kafou Pay pour kounya qui tourner Kafou la mort, c'est soit yo kidnappé ou bien yo tombé en babal. Dans soirée jeudi 11 mai 2023 pour l'ouvrir vendredi 12 mai, bandi exam yo pas identifié rentré en dedans localité Marouge dans 5e section Tigrivière la Tibonite, yo pillé ak violé et kidnappé plusieurs jeunes femmes qui c'est moun dans localité si la situation ça la cause ensemble des citoyens k'ap viv dans zone nan paniqué en pile malgré yo gen en pile l'autre problème qui était existé dans zone nan, yo était toujours à faire appel ak l'état central suite avec état route qui gen dans zone nan ak l'hôpital pour moun qui habité dans 5e section Tirivière la Tibonite dans Péroudin al pran soin ke ka ou nécessité l'état pa jam tande yo pou kounye a phénomène insécurité arrivé sou yo yo pratiquement a posé tête yo question qui ça yo pral fè nan mon ka ou kote yo ya via avec bandi ki soti nan plein nan ki envahi zone nan. Mwen se Désir Venesse, Tirivière la Tibonite, cité Crête à Pierrot pour TAK 509. Département l'Ouest pays d'Haïti, plusieurs centaines d'habitants dans quartier populaire Solino marché dans divers coins dans localité ça dans cadre yo marche pacifique yo organisé journée vendredi 12 mai 2023 dans souci pour dénoncer phénomène insécurité généralisée qui a valé terrain dans quatre coins pays d'Haïti. Manifestants qui te gagnent en yo plusieurs pancartes qui te gagnent différentes qualités messages qui écrit sous yo côté yo t'a demandé bonne en collaboration entre la police et la population. D'après eux-mêmes, c'est la seule façon pour arriver à croire force banditisme à gros âmes qui a terrorisé le peuple haïtien. Plus de détails sur le mouvement ça à quelques manifestants qui étaient dans le micro journaliste TAK 509.
coordonnateur général mouvement Force Port-au-Prince, là, on a parlé de Guédé Vladimir, lui-même qui critiquait l'église épiscopale d'Haïti, d'après lui-même, qui perdit mission yo, au lieu yo fait social dans le pays, a yo plutôt rentré dans le trafic illégal ZAM et munitions pour alimenter l'insécurité dans le pays d'Haïti. Pour raison, si la responsable mouvement sociopolitique, ça a encouragé population haïtienne pour signer pétition ça, non objectif pour bailler une réponse à ce là yo qui prend plaisir dans alimenter phénomène insécurité sur territoire national là. On écoute Guédé Vladimir lui-même qui a dit nous plus dans micro journaliste à 509. Notre plus haut instance d'enquête que nous avons dans le pays qui c'est DCPJ, il mené une enquête, il trouvé que depuis 2017 il y a une instance qui est l'église épiscopale qui a fait entrer les âmes de manière illégale. Côté dit il a prêté franchise lui. Côté dit yo fait pas personne interposé, mais le gars des monde qui indexé yo, c'est des monde qui ont responsabilité directe avec l'église là. Nous basé sur aspect moral qui ça l'église là t'est supposé y pas oublier l'église c'est un pilier éducatif société ça t'est supposé gagner. Je dis si nous gain type de citoyen ça yo en pays yon, côté nous gros pays qui grandélisé côté nous gros pays l'autre monde qui l'autre côté dit société des cannibales que nous gagner c'est que l'église pas fait partie parlant qui s'est formé instruit qui s'est évangélisé monde. Alors si l'église la famille l'école inexistante nous gain crise sociétale que nous gain là jodi an nous pas arrêter bouche bée face à vraie mission l'église là. Alors c'est ça qui fait, je dis, on nous indexer l'église épiscopale, parce que DCPJ a dit que au préalablement, il y a un pile bagaille plus ouais avec ZAM, avec bal capotre dans le pays. Et nous-mêmes, avec aspect moral qui a gagné, aspect pour te permettre société, il y a des gens décents là-dedans. Aspect pour que te permettre de créer une infrastructure pour jeunes nous, qui n'ont pas fait en guise de ça. Ces âmes avec balles sont entrées et puis nous disent nous-mêmes, en tant que mouvement d'avant-gardiste, nous ne pouvons pas camper garder le dossier ça, cap rentrer dans notre soi. Nous disons, je nous caler sous lit, c'est pour ça que nous avons lancé pétition ça, pour toute société, pour tout le monde qui comprend que l'insécurité, c'est lui-même qui monte sous développement, c'est lui-même qui permet que, je dis, il n'y a pas aucun déplacement qui a fait avec fierté dans le pays ça. Pour rejoindre nous dans cette pétition ça et pour continuer à accompagner nous dans plainte nous pour déposer contre tout le monde nous bien dit contre tout le monde en passant par l'église épiscopale d'Haïti qui fait entrer balle avec ZAM dans le pays. C'est des marches pas nous en ça, des marches nous pas visé seulement l'église épiscopale mais des marches nous dit que DCPJ qui c'est une instance judiciaire d'enquête comme pas dit instance judiciaire une instance d'enquête qui travaille pour la justice, qui fait un rapport qui indexe l'église épiscopale et puis nous-mêmes nous faisons cas de lui. C'est ça qu'on a fait là. Quand on a signé l'église, on a signé sur toute plateforme, il est disponible sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il est disponible tout dans le local nous, avec nous plusieurs autres locales d'associations, membres de Force Port-au-Prince que nous avons dit dans le jour qu'on a venu là, écoutez, et pétition disponible comme un cassier. Il y a deux monde qui mourit dans la nuit jeudi 11 mai 2023 dans la localité d'Elma 30 lorsque individu examio yo même te ouvert coup de balle sous yo camionnette transport qui t'a fait et circuit d'Elma selon témoin qui était sous place qui t'a partagé information by journaliste TAC 509. Parmi victimes, yo gagné chauffeur camionnette là selon yon source policière qui était dans niveau localité d'Elma. Toujours dans le cadre journée jeudi 11 mai a gagné et agent force l'audio qui c'est police nationale d'Haïti yo même qui mettait en bas code, 5 individus, yo même qui tap réfugié yo nan yon kay qui situé dans la localité Canbriette qui nan 11e section communale Léogan. Selon yon source policier journaliste TAC 509 contacté individu sa yo qui jwenn arrestation yo sorti dans zone Thomasin nan hauteur commune Pétionville. Pou kou li a yo même qui nan garde à vue nan commissariat et Léogan
et puis force l'ordre même tout prend initiative pour capable tendre présumé ça yo. L'autre information dans journal l'attaque 500 de flan n'a pas très directement dans dossier politique. Mouvement Force Port-au-Prince, c'est un restrictif sociopolitique qui lancé journée vendredi 12 mai 2023 une pétition contre tout le monde qui impliqué dans trafic illégal d'armes avec munitions dans pays d'Haïti. Tout le monde qui victime en bas fléau insécurité généralisée ça doit signer pétition ça dans souci pour porter plainte devant la justice contre tout le monde qui responsable dans situation pays d'Haïti trouvé le journée jeudi hein, selon secrétaire général Mouvement Force Port-au-Prince d'Orcilien Ricardo qui indexait l'église épiscopale d'Haïti selon lui-même qui pas innocent dans situation malouk pep haïtien yon a traversé jeudi en bas phénomène insécurité généralisée ça. Plus détail avec secrétaire général estricti sila d'Orcilien Ricardo qui était dans micro journaliste parmi yon tak 509. J'ai dressé un rapport qui indexait l'église épiscopale et yon jouen depuis 2017 à 2022, l'église épiscopale a fait rentrer des armes avec balles illégales dans le pays. Et c'est dans la raison ça que nous chita pour nous lancer pétition ça. Pour toutes victimes de actes de violence, pour tout le monde qui est obligé de déplacer Matissan, qui est obligé de quitter Fontamara, qui est obligé de quitter Torcel, qui est obligé de quitter un paquet de l'autre zone. À cause de zak insécurité qu'a commet dans la population, hein, yo obligé parti quitter zone sa yo. Et c'est au nom de tout monde sa yo, nous lancer pétition ça pour que nous joignent réparation et restitution de la part de l'église épiscopale d'Haïti. N'a pas invité toute population en général pour rejoindre nous dans bataille ça. Parce que force Port-au-Prince lancer pétition, hein, ce n'est pas pour association, hein, ce n'est pas pour regroupement, mais c'est pour toute population hein, en général, pour toute diaspora qui a envie de vivre dans le pays, hein, mais malheureusement qui ne peut pas vivre là. Pour tout le monde qui a envie de vacuer à l'occupation, yo, mais qui n'est pas capable parce que c'est l'insécurité qui a fait l'actualité dans toute radio, dans toute télévision, pas même un jour. Ou pas tant de nouvelles sans pas tant de parler de qui ça qui t'est posé tel côté, qui zam, qui balle, qui intervention policière qui fait. Peut-être ça nous-mêmes, dans Force Port-au-Prince, nous mettez-nous aux côtés de la population hein, pour que pétition ça ils sont réussites et que nous joignent exactement ça, n'a cherché pour. En réalité, population joine on aller mieux dans jour kapin la. N'a quitté chapitre insécurité pour nous capable entrer dans chapitre politique là côté que responsable organisation sociopolitique débloqué Haïti lui-même qui voyait jeter décision gouvernement de facto Ariel Henry apprend pour aller célébrer fête drapeau dans ville au Cap Haïtien lorsque traditionnellement activité ça toujours faite dans commune Akaye. Décision ça approuvé PM de facto Ariel Henry pas gain contrôle pays dans sa ça porte-parole débloqué Haïti en élu Sanirius annoncé ensemble activité y a gagné pour organiser dans Port-au-Prince pendant deux jours qui c'est 17 à 18 mai qui a venu là dans objectif pour exprimer des accords à pouvoir en place là pendant le mandat population pour côté coller dans tout mouvement cela yo puis le militant politique là dénoncer certains monde qui t'ont montré y a bataille dans intérêt population alors que pour connia monde ça yo a coupé raché dans pouvoir illégitime ça pendant peuple haïtien lui-même a continué plonger dans plus misère. Nelius Nereus, c'est porte-parole débloqué Haïti, il était dans micro journaliste à 509. Super Haïti ou encore PNH la cadeau 17 motoboxer qui va même venir $25,000 américains. Mais la France fait les garder tout qui monde qui sont au pouvoir et tout le monde connaît Ariel, c'est corps groupe qui met. Et la France c'est même corps groupe. Et c'est pas pour la première fois ça privé nous te ouais. Je te baille et Tolbert 10 ballons dans le ministère des Sports, de faire photo. Bon madame qui était ministre sous Jovenel Moïse et Santé publique, je te baille des trois coquilles, je te fais faire photo avec elle. Son façon pour continuer, descendre nous pour piétiner le pays et sale visage nous-mêmes comme haïtiens. Nous-mêmes nous dire que la France, d'ailleurs, c'est le pays qui a colonisé nous, qui a volé tout ça, nous gagné en Haïti et je te fais nous payer.
indépendance. Ce n'est pas des pays qui prennent. Et moi-même, m'habitue à attendre les médias français. Par exemple, RFI, il n'y a pas rien qui est bon sur Haïti. France 24, tout ça, il y a pas de vieille image. C'est mauvais bagage seulement, il y a pas de pays, il n'y a pas rien de pays. Oui, nous avons besoin de coopération, mais nous ne pouvons pas demander charité pour nous avoir 17 motocyclettes. C'est que n'importe qui dans le pays, qui est ministre, capable de faire. PNH la cadeau et 17 motocyclettes. Vous comprenez? C'est qu'il y a un business affranchi, il y avait des colons achetés dans le business affranchi pour le bail esclave. Là. Oui, nous-mêmes, nous sommes d'accord que nous sommes esclaves, mais nous sommes esclaves et dans le jardin, esclaves des champs. Pendant nous dans le jardin, on a fait complot pour nous sortir de tête dans sa nouille. Maintenant, on a dit la France, c'est vrai, nous connaissons un problème avec nous, surtout pour faire 19 novembre 1803. Et donc, nous connaissons que. Et il y a toujours, jusqu'à date, pas jamais il y a un mauvais tir qui est dans le dictionnaire français. Il y a aucun problème avec nous. Il y a pas plus sale image. Mais l'histoire nous a prêté une histoire singulière jusqu'à date. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons, c'est nous qui cassons la chaîne de l'esclavage. Et c'est ça que notre tête yo, qui fait aucun tout qualité de problème avec nous. Mais, comme il y a un matériel, et il garde qui nous tout pour pouvoir pour faire ça, pour faire ça. Donc nous, pour que ça n'est pas sale visage, nous, ni sale visage. Yo. Et là, la France a fait donc, nous, elle fait donc. C'est chaleur par la paille Ukraine, c'est la paille formateur, la paille mitraillette, toute qualité de bagaille pour bataille. Alors que nous-mêmes, qui avons contribué dans mettre gang dans le pays, nous 17 motocyclettes. Il y a dans la section communale. Là, il fait 4 17 motocyclettes, il y a un casque, un casque, vous comprenez? Ou bientôt, comme il y a plus de faire gang, non, il y a dans le bouquet, il y a un grand jour, il y a dans le grand ville, il y a dans le village, parce que les gens ont besoin de moto, ils sont entrés, sont rapide, entrés. Bien vite, donc nous-mêmes nous croyons que Haïti, ça n'a fait la bataille qui vous fait contre Gangyo, motocyclette, boxeur, bagaille, des petits lablis, tombés comme la démonateur. D'ailleurs, je connais un policier sur moto boxeur moi-même. Même un policier qui va acheter une moto pour plaisir, il va acheter boxeur. Je crois que la France qui a décidé pour la prendre passer nous et dans bêtise. Et nous dit que pendant Ariel Bral jouer avec Zamil, avec acolyte lié au cap, mais nous-mêmes, depuis les 16, a commencé une activité côté monde à faire résistance contre le pouvoir réel là. Le 16, a déjà une conférence de débat dans le Fonds national. Le 17, qui prend la date et fait enseignant, a une activité dans l'université. Et le 18, chaque monde, autorité, a fait résistance dans l'espace nous pour nous manifester mécontentement nous envers le pouvoir ça. Et la communauté internationale qui a supporté dans tout ça a fait qui mal dans le pays. Ou vous pouvez aller et leur retourner capable de tomber dans le pays. Dossier éducation, dirigeant Union nationale malien haïtien yo présenté jeudi vendredi 12 mai 2023, bilan grève général professeur dans l'école publique yo lancé depuis 4 semaines pour faire passer revendication yo. C'est une grève qui réussit sous territoire, sous tout territoire national là, selon coordonnateur général UNOA, professeur José Merilien, qui profitait occasion ça pour rappeler ensemble revendication professeur yo à professionnel éducatif yo, syndicaliste la Bayon, ultime jusqu'à 16 mai 2023 avec ministre éducation nationale à formation professionnelle là n'a parlé de Nesmi Maniga pour le capable chita parler à grévision sous cahier revendication yo, sinon mouvement grève là après poursuivre selon sa coordonnateur général une loi fait qu'on est qui c'est Josué Merilien qui a dit nous plus dans micro journaliste à 509. C'est fin quatrième semaine de mobilisation enseignants, élèves, parents, d'autres acteurs qui croient l'éducation. Et c'est 4 semaines réussies à l'échelle nationale. 4 semaines tout depuis Despaniga, Mahon, 3 semaines depuis Mahon, et syndicat enseignant. Et côté gagné, après encore 19 là, de gagner obligation et de engagement. Pour la chita, j'ai demandé là, avec toute instance de l'État qui est aware à divers points que nous gagnons dans la revendication pour une réponse. Et vienne réunir avec nous avec réponse ça au clair et à présence toutes diverses entités et instances de l'État qui ont ouvert à revendication nous. Demandez tout pour gagner un comité d'arbitrage avec des gens qui sont honnêtes qui vont assurer transparence des négociations sérieux et empêcher que nous avons la main. Et en dernière position, je dis que faut tout syndicat net qui est impliqué activement dans le gouvernement, même si il n'est pas national, il est régional, il est départemental, il faut être présent
dans négociation hein une manière pour pas que nous dit que il y a quelqu'un qui a négocié des dons depuis le 19 avril côté Malika prend engagement prend chute avec diverses entités dans l'état pour une réponse appropriée. Nous pas jamais de Malika ou moi Malika contre nous autant de louel c'est dans la presse la fait diversion et la voyez pour la faire diversion pour dire par exemple que il va devoir arriérer salaire, il paye mars, il paye avril. C'est comme si ensemble de revendications sociales ont été réduites à payer avril, payer mars. Alors que là, nous gagnons une liste partielle de ensemble de revendications que ainsi on gagne. Tant que ajustement salaire 4% en fonction du coût de la vie, tant que domination tout pour se qualifier qui pour qu'on nomme yo et inspecteur qui passe le concours. Il s'agit de nommer, d'un coup, paiement, tout à salaire net, remettre chèque pour le chèque qui va traverser zone territoire perdu, madame ministre justice, et le chèque. Sixièmement, il y a un salaire enseignant pour le deuxième cycle, quatre ans après temps, qui tout est salaire et temps partiel, il y a une assurance qui est fonctionnelle, quatre débits qui le bail. L'eau qui est dans l'école potable pour élèves recevoir, il y a un plafond qui est dans l'école, il y a un gaz qui est dans la pompe pour le gaz, question de sécurité qui doit résoudre, question d'électricité qui doit gagner, et ensuite toute l'école net qui doit fonctionner, toute l'école net, vous pouvez activer ce que vous avez. Tout ça entre dans la revendication enseignant. Que les gars choisissent réduit à un seul, les payer en mars, les payer en avril, ils vont être enseignants. Même... Professeur José Merillion, de l'autre côté, dénoncé attaque qui fait sur un groupe étudiant et stagiaire à l'école normale supérieure dans l'espace bureau ministère éducation nationale à formation professionnelle qui trouvait sur route Nazoran. Ça passait jeudi 11 mai 2023 dans moment étudiant Silayo t'a revendiqué droit yo dans l'espace Sila pour demander responsable dans institution ça pour nommer étudiants finissant yo et puis payer yo l'argent travail yo en tant comme stagiaire dans l'école publique yo protestataire yo qui te recevoir plusieurs patasuel en bas mais certains individus qui étaient dans espace là yo zak malhonnête syndicaliste là José Merillier condamné à toute force li puis le militant politique là critiqué autorité dans pays d'Haïti qui accepté recevoir 17 motocyclettes dans mes autorités françaises yo comme support à police nationale d'Haïtien yon geste qui représentait yon honte pour pays d'Haïti yo le fois encore nous écouter José Merillier lui-même qui était dans micro journaliste à 509 élèves yo enseignants yo étudiants yo continuer camper tout pays yo pour mettre fin à situation terrible qui est là, à tout niveau. Nous dénoncer ce qui s'est passé hier, dans la zone, côté gouvernement ganglé, vous voyez, gangli, Alba qui était étudiant, quand le bâtiment est fini ça, qui vient de réclamer le droit, yo. Côté gagné, actuellement, qui est l'hôpital, tellement, yo, maltraité, yo. Des jeunes, qui l'État formé, pour une formée, jeunesse scolaire, là. Maintenant, n'est-ce pas, les gars, Ariel Henry, avec toute équipe gang, yo, voyez, gang yo al bat yo parce qu'il a demandé pour yo se faire droit yo quand il a fini ça. Donc c'est grave qu'il nous dénonce et demande tout le monde dans le pays qui parle d'accord avec Zach Sila yo pour yo prendre la proposition claire de dénoncer. Et n'a fini sous et n'a dénoncé tout le fait que vos élèves, gang Ariel Nespio, a tiré dans la manifestation tabac. Côté monsieur l'hôpital jusqu'à présent, il sauvait par chance. Et si le santé mourit, il y a sous deux esprits, deux Ariel, deux bras verts, qui a fait dilatoire, diversion, au lieu de toute crise qui est là. On a fini avec question et 17 petits motos que la France décide d'aïe pour les nationales pour la combattre gang. Parce que son affront à Dessalines, à toutes les autres. C'est à fois tout haïtien qui est un homme qui va vendre un million, soit à fois à nous tous, pour la France permettre lui 17 petits motos. Les malins en France ont gardé les motos que les policiers français ont gagné. C'est moto. C'est pas petit barré ça, là. Et bien là,
Donc, ils ne respectent pas nous. Et comme nous avons des dirigeants qui ne sont pas respectables, ils viennent à dire la cause qui les pays permettent de choisir qui nous. Donc, ils nous dénoncent la France et nous disent que la France, c'est agresseur à Haïti. La France est comme nous, Namel. Donc, la France est pour être comme nous. Pour nous, d'ailleurs, faire comme nous, équiper la police, mettre l'école, mettre route, dans tout le bagage. Nous, Haïti ne peut pas demander la charité. Si Ariel comme Choul a voulu la charité, peuple haïtien, peuple éric haïtien pour la charité. Et parce que si on te monde, vous devez remettre la France, 17 types de dossiers d'ailleurs. Dis-le, voyez retourner. Et bah, comme il y a pas que monde, ça fait que il fait une grosse cérémonie pour accueillir un afro qui ont fait un peuple haïtien. Et les bagages qui ont regardé ces questions, 20 drapeaux. Nous disons que l'équipe Ariel Henry, qui c'est des apatrides, pas autorisé célébrer ce drapeau. Dans le sens où c'est des apatrides qui signent pour blanc venir occuper le pays, venir fouler sur les alignes. Donc, ils ont fait un acte apatride qui condamné par la loi. Les lois haïtiennes. 17 mai cap vini là, c'est pour la journée nationale enseignant. J'en sa toujours fête chaque année. Dans l'occasion, ça, il nous prévoit organiser une journée de réflexion sur situation difficile enseignant haïtien yo a pas fonctionné dans le pays. Pour 18 mai, qui s'est fait drapeau pays d'Haïti, responsable Ino yo a annoncé, il a organisé un mouvement bat ténèbres, yon façon pour exprimer mécontentement yo contre mauvaise gouvernance équipe qui sous pouvoir. Responsable coordination l'OS Inoa Péguinuel a porté plus de détails dans micro TAC 509. En fait, n'a dit 18 mai 1803, 18 mai 2023, 220 l'année depuis ancêtre nous yo té créé un drapeau bleu à rouge et dans un contexte bataille côté et 18 novembre qui t'a pral vini, qui t'a pral fait bataille vertière qui t'a pral ban nous l'indépendance, côté nous t'a raché indépendance nous, souveraineté nous, dignité nous en bas main et système colonial là. Et nous dit tout drapeau ça il symbolise et capable dit unité et pays à unité entre ancien et nouveau libre. Et nous capable dit c'est symbole liberté et souveraineté nous. Et nous dit tout et 17 mai cap vini là c'est journée et mondiale enseignant yo, journée mondiale, journée nationale enseignant yo côté et ces jours enseignant yo fait pour commémorer et me capable dit et conditions travail et apprentissage. Nous capable dit deux gros journées ça yo apparaît dans contexte difficile dans un contexte côté pays a trouvé dans une situation malouque côté souveraineté en bas pied corps groupe qui sous direction les États-Unis côté population en otage n'est pas capable de circuler libre côté tout gang à col gang à sapat prend pays a en otage côté société a divisé pack en pack côté tout et question et la vie chère à coucoumant population l'en connaît tout c'est et condition la vie moun dégradé chaque jour plus côté en pile ti moun pas gain accès à l'école côté tout ti point qui rivé aller l'école yo pas gain bon condition apprentissage l'en connaît yo les pour aller l'école yo grand goût yo pas jeune manger et surtout yo pas jeune de l'eau tout. Gen l'école nous passer nous tendez que professeur k'ap di que ti moun ki est disposé pendant li fait choix parce que yo pa gen moyen pour yo capable acheter de l'eau. C'est dans condition ça yo, condition difficile ça yo que malheureusement n'ap célébrer journée et mondial enseignant national enseignant yo. Sans compter et n'ap capable di condition travail professeur yo qui vin plus compliqué chaque jour plus côté depuis 17 avril 2023. Pour arriver jour-journée aujourd'hui, côté nous parler dans la cinquième phase, mouvement mobilisation grève, côté enseignant, nous avons demandé bonnes conditions de travail, bonnes conditions d'apprentissage. Et nous sommes capables de dire dans ce sens, et une autre, demander aux professeurs de continuer à être mobilisés dans quatre points pays. Pendant que nous avons demandé toute force vive pays et météo, bon côté population, marché contre, coller les épaules pour nous racheter souveraineté nous en bas pied
et force étrangère yo en bas pied domination étrangère là pour nous racher droit grand dette majeur nous. Merci à tout le monde qui t'a choisi brancher plateforme TAC 509 là qui gagne plusieurs réseaux la donne. Nous remercions tout internaute yo à travers monde là. Nous remercions tout technicien qui te permet journal ça arriver possible pour te présenter au journal ça. C'est moi-même Luc Albert Beaubois. Bye bye tout le monde. Bon week-end.